On est ici réunis au CESE pour un moment important, un moment qui nous permet de faire le bilan de la participation des jeunes ici au CESE et de se projeter dans l'avenir et de regarder dans quelle mesure est-ce qu'on peut accroître encore à la fois cette participation et la visibilité qu'on lui donne. D'abord, les jeunes ont fait leur entrée au CESE en tant que tel dans un groupe il y a quelques années seulement. C'est en 2010 que ça a été lancé. Et qu'est-ce qu'on remarque ? Qu'ils ont été extrêmement dynamiques. Je crois que c'est plus de 17 rapports qui ont été produits. La deuxième chose très importante, c'est que ces rapports montrent bien que les jeunes ont vocation évidemment à porter un regard et faire des propositions sur les enjeux qui concernent les jeunes et la jeunesse, mais bien au-delà, sur tous les enjeux qui traversent la société. On l'a vu avec des rapports sur la question de la ruralité, sur la question de nos institutions et très récemment encore sur la question des personnes détenues. Donc c'est un point qui est très important parce que finalement il envoie aussi un message à l'ensemble des autres institutions et plus globalement à la société sur la nécessité de donner aux jeunes une place dans le débat démocratique, dans le dialogue social, dans la vie de la cité et de leur donner une place sur l'ensemble des sujets qui traversent la société. C'est aussi l'occasion pour nous de regarder vers l'avenir. Réforme du CESE dans le cadre de la révision constitutionnelle qui devra non seulement sanctuariser mais aussi peut-être faire progresser la place des jeunes ici puisqu'on voit qu'elle est extrêmement productive et positive. Et puis la question des territoires. Il y a aujourd'hui des jeunes qui sont présents dans les Césaires. On peut aller beaucoup plus loin en termes de représentation et en termes de visibilité aussi de la place des jeunes dans ces Césaires. Donc c'est un moment très important et moi je veux vraiment féliciter les jeunes qui se mobilisent ici au CESE, qui font des propositions, qui travaillent et qui finalement, au-delà des contributions sur le fond qui sont très importantes, qu'ils produisent régulièrement, qui donnent aussi à voir cette jeunesse engagée qui a envie de contribuer, de prendre sa place dans la vie de la cité et quand on lui donne l'opportunité de le faire, qui produit des choses extrêmement importantes et utiles pour l'avenir.